La Banque mondiale et la Banque africaine de développement ont alloué 40 millions de dollars à Madagascar en mai 2014 pour le financement des infrastructures. L'Union européenne, par le 11e Fonds européen du développement, consacre 80 millions d'euros au pays. Pourtant difficile de circuler dans les rues de la capitale malgache, surtout en saison pluvieuse. Flaque d'eau par-ci, nid de poule par-là, toutes les conditions semblent réunies pour ralentir le trafic routier. La situation dure depuis plus de 50 ans maintenant, portant un coup sérieux à l'activité des gros porteurs. Une livraison devrait normalement être faite en un jour, mais il nous faut maintenant deux jours. Nous changeons les pièces de nos camions après seulement 1200 km au lieu de 38 000 km. Le coût à nous généré par le projet a doublé, tandis que la marge de profit reste la même. Un projet de réhabilitation des infrastructures routières a été introduit au Parlement malgache, mais la tâche s'annonce moins aisée pour les responsables en charge de l'exécution des travaux. Les embouteillages sont énormes et il n'y a pas assez d'espace pour faire des extensions de la route. Construire des échangeurs est une option que nous envisageons afin d'embellir la ville et de résoudre le problème des embouteillages. Outre la mise en exécution du projet de réhabilitation des infrastructures routières, certains analystes vont plus loin en évoquant l'absence d'une politique urbaine clairement définie pour le pays. Il n'y a pas vraiment une politique urbaine assez nette à Madagascar. C'est juste simplement administrer les villes, pas gérer, administrer les villes avec les schémas d'aménagement territorial qui ont été faits depuis 10 ans. À part ça, il n'y a pas vraiment une volonté politique de faire des villes comme le moteur économique et d'améliorer aussi l'essor des peuples malgaches. Le gouvernement de la République de Madagascar a sollicité et a obtenu un crédit de l'Association internationale de développement d'un montant équivalent à 102 millions de dollars pour financer le projet d'urgence pour la préservation des infrastructures et la réduction de la vulnérabilité. Mais le pays est loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement d'ici fin 2015.